dans tes mains, nana. Et tandis, ami, na posa, na yoé, aba, papa, mon limon, nana. Et so, ganga, kolu, ka yoé, kolu, ka yoé, nana, koti, kateo, kotambo, nana, yo. Osamo te manangai Kolanda yo e Nana kole mbate o Kongumba mbele yo Tina bumo idange Et c'est pas à dire que c'est parce que nous avons beaucoup d'argent, mais parce que nous avons l'amour envers ces vulnérables. Comme vous le voyez ici, elles n'ont même pas de quoi s'approprier. L'amour doit être accompagné par les actes. Voilà pourquoi nous avons jugé bon venir assister ces affaires avec des vivres et nos vivres. Je tiens à vous dire que non. Nous avons l'amour avec ces affaires parce que parmi eux figurent les prochains leaders, les futurs leaders de notre pays. J'en profite pour appeler d'autres personnes de bonne volonté de venir au secours de ces affaires. Ils n'ont pas des moyens pour vivre. Et les sœurs qui les assistent, qui les regardent, n'ont pas aussi les moyens. Dieu, il est le père des orphelins. Et nous, nous sommes l'image de Dieu. Quand nous représentons Dieu sur terre, nous sommes obligés de venir en secours de ces affaires. Donc, toute personne de bonne volonté, même aux humanitaires, et pourquoi pas le gouvernement provincial, tant national, de venir en secours de ces affaires. Oui, je peux expliquer ça. C'est seulement après la mort de la maman, on amène ici. Chaque jour, c'est toujours comme ça. Pour le moment, c'est 95. Pour elle, le besoin nécessaire, c'est du lait. Les autres mangent aussi. Pour les autres, même nourriture, là. Même de farine, on peut amener pour les enfants, même des pommes de terre, même du riz, même d'huile. Il y a beaucoup de choses. À ces personnes ici qui sont venues au secours de ces enfants. Je vous remercie avec tout ce que vous avez amené pour nous. Parce que nous manquons aussi beaucoup. À cause de ça, je vous remercie.